Je suis déçu. Ça y est, on y est dans l'avion. Un peu plus long que celui de Ryanair. Ça y est, on a atterri, ça faisait 8 heures de vol, c'est assez atroce. Si t'as pas tes boules caisses, t'as une tête grosse comme ça, mais voilà quoi. Donc enfin on est arrivé, donc ça a mieux la tête. Et puis, let's enjoy. Bon, y a déjà une bagnole de police, mais ça ressemble pas trop à ce qu'on a l'habitude de voir à la téloche. Bien que je ne regarde plus la téloche depuis plus de 15 ans, donc... je ne serai point. Bon, premier jour. Bon, on a le temps de rien faire aujourd'hui, donc on vient de déposer nos affaires à la petite maison avec une Française qui y habite. Et très sympa, très très sympa. Et puis là, on va manger. Donc,
comme on le voit, bah, ils ont vraiment des grosses voitures. Des grosses voitures et des grosses voitures. Nous, on prend la voiture vendredi. On est mercredi. Voilà, voilà. La première fois que j'ai vu une petite carte de bus comme ça, c'était dans un Silent Hill. Je crois que c'était le premier ou le deuxième. Si je me trompe pas. Bon, we are at Kissena Boulevard. C'est pas le Chinatown officiel, mais c'est quand même un Chinatown. En plus, il y a des big trucks avec l'avant bien bombé là, et moi c'est ce que j'aime quoi. Comme celui en rouge au fond là-bas. Bon ben voilà, on va commencer par un quartier de Corona avec le neighborhood, le Indian neighborhood. Voilà, voilà. Bon, s'il y a des vegans qui regardent, look away. Je viens de me prendre un muffin. Bon, c'est $1.50, hein, mais voilà. En tout cas, il est moelleux à souhait et il est bon à mort. Fais un bisou. Fais un bisou. Même les voitures mettent des gilets pare-balles. Central. I think this place, this concourse, main concourse of the train station, was used for some of the movies. In plenty of yeah. Them. That's why I wanted to come here, because this is something. If you are there, you should. Nous cherchons la cathédrale de Saint-Patrick, donc nous sommes sur la 5e avenue, il me semble, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a tellement de numéros, et on continue un peu sur cette rue-là, sur cette avenue. Voilà, elle était cachée, parmi tous ces buildings. On va visiter un peu l'intérieur.
Ah voilà, ta fille est toute folle. Elle est toute folle. Il y a des comment dire, des marionnettes colorées. Ouais, ouais, c'est bon. Elle s'appelle comme une gamine. Ça, c'est un t-shirt qui plairait à Alexis. Blizzard. Diablo. Weekly Shonen Jump 50th anniversary. Ils ont osé se foutre de la gueule de Yamcha. Yamcha. Yamcha-san. Yamcha-sama. Comme dirait Puer. Voilà, si t'as une voiture, tu veux te garer au parking, c'est $12.67 pour la demi-heure. Voilà, te voilà prévenu. Bon. Il est un peu en piteux état, le musée d'art moderne. Donc maintenant, on va sur Times Square, on redescend au sud. Pour remonter au nord à Central Park et manger un petit bout, un petit peu. Si vous pouviez sentir ce qu'on est en train de sentir, toutes ces petites saveurs de vendeur à la sauvette là. Enfin, je dis vendeur à la sauvette, voilà quoi, je me comprends, les petites roulottes quoi. Là, ça sent le poulet. Là-bas, il y a des steaks. Oh, ça sent bon. Voilà. Ce qu'a de loin reconnu Stéphanie, c'est sur le toit là, le petit toit là, que j'avais vu deux lives sur internet de 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, et encore un autre live de Silverchair. Bon, c'était pas autant en travaux hein, sur le live. En tout cas, c'est des bons lives quoi. Times Square. Oh oh, Géro. Des nanas presque à Walp, des trucs sucrés, encore des trucs sucrés, des trucs hollywoodiens avec. Elle ressemble à Evangeline Lilly, celle qui jouait dans Lost. Qu'est-ce que je t'ai dit de plus? Ah ouais, des marques électroniques. Ça y est, Steffi devient un peu plus folle, un peu plus à chaque moment. Everything is bigger in America. Central Park. Et les pauvres chevaux mis en esclavage. Encore un petit choc, comme dirait Cole Chamber. Non. Steffi et un écureuil. Petite queue grise là. He's looking at you. He's waiting for you to give him something. Attends, on est à Central Park, dans une putain de grande ville, et les petits oiseaux se laissent approcher comme ça. Hein? C'est tellement habitué au bruit de la ville. Bon, on va se trouver un petit banc et puis on va becquer nos fruits. Hop. Oui. Et il fait une chaleur. Ouais. Et il fait une chaleur. Il fait bien lourd. Ça doit être la pollution. On verra comment quelle température il fera en dehors.
on, let's see what it is. There, on the left. La pause fruity. Fruity, fruity. Fruity, healthy. Ouais. Pour marcher toute la journée. Là, on a fait à peu près... On est arrivé par le Tromé jusqu'à Grand Central Station. On est monté pour aller voir la Saint Patrick's Cathedral. On a vu le Rockefeller Center. On est passé à côté du Museum of Modern Art. On a fait un petit tour dans un magasin avec les petites marionnettes. On est descendu à Times Square. Et on est remonté par la 7e avenue, 7th Avenue. Jusqu'à Central Park. Donc on va faire le tour quoi. On va enjoyer la grande parcelle de verdure, de nature qu'il y a au milieu de Manhattan. On va aller voir l'eau pour la journée. En train de creuser ma belle. C'est du boulot hein. On est au zoo de Central Park. The Chess and Checkers House at Central Park. The face of a thinker. L'écureuil qui va attaquer le pigeon là. Non, non, je rigole. Thank you.
is coming diving, do you want to buy another one there or two? I'm sure I'm gonna have one of the turtles. Turtle on side. Bow Bridge. Of the Little Mermaid, okay. I guess it's a Little Mermaid. He's crying now. You want to sit on his lap? No. Come on, he's gonna tell you a story. Non, finesse, je rigole déjà de ma blague pourrie. Il va te montrer son marque-page. Bon, je vous laisse deviner quelle histoire. Encore allumer le lampadaire. On est dans un petit espace qui s'appelle The Gill et qui mène à The Rumble. The turtle pound. Turtle pond, yes. Oh, un joli canard. Great lawn. Voilà, il n'y a rien, c'est beaucoup dans une grande ville comme New York. Bon, il n'y a pas autre chose quoi. Une belle pelouse. Et donc, Great Lawn est au milieu là. Et nous passons donc sur la gauche pour monter et visiter le nord de Central Park. Voilà. On va peut-être
Eh ben, ça va péter, ça va péter. Ça va péter. So, on est au sud-est du réservoir. Qui aurait cru que New York n'était pas romantique sous cette pluie? Bon, voilà pour Central Park. Ça, c'était un peu bizarre. On s'est fait saucer une grosse fois pendant à peu près une heure. On a trouvé abri sous une arche. La veste à Steffi, elle est trempie. Elle a pu les sourire avant. Et puis là, on arrive sur... si je ne suis pas illettré... Malcolm Avenue. C'est pas Lennox. Ben, j'allais dire Lennox Avenue, mais en fait, non. Ah, so maybe it's this one. I want this one. Which one it is? Lennox. So, comme je disais, si j'étais pas con et que j'étais bon en orientation, ce serait Lennox Avenue. Et c'est Lennox Avenue. Et je vais recevoir une putain de goutte sur la caméra. Bon. Harlem. Nous sommes à Harlem, donc. Et nous allons reprendre le métro pour aller dans le Middletown, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, pour aller manger, pour finir cette superbe journée de marche. Voilà, à vous les studios.